Guardian partie 2. Bon bref, c'est pas grave. C'est quoi ce bordel? Qui a fait ça? Alors en fait, ma petite Elise, on va tout expliquer. Ces connards de la team de Vivian, eh ben ils ont tout défoncé. Ils ont mis tous les objets, ils les ont balancés là, ici. Et nous, on est allé acheter des trucs en ville. Et donc, parce qu'on a le droit. Ben oui, vous avez le droit. Et... Oui, et donc, bah, voilà. Donc, du coup, bah, en fait, bah, si tu veux, nous, on a poussé pour rentrer. Oui. Et donc, voilà. Bref, j'ai pas le temps pour engueuler des gens. Du coup, vous allez faire l'épreuve. Donc, c'est une épreuve spéciale, garçon. Alors, en fait, là, alors, à la fin de la journée, vous allez nominer une fille qui sera nominée face à Julie. Oh. Ah oui, c'est vrai, je suis nominée. Exact. Donc voilà. Donc, ah oui, d'ailleurs, j'ai retrouvé ça. C'est à qui ce DVD? C'est à moi! Vivian, le connard, il me l'a balancé. C'est le DVD de Madame la Marquise. Ah, c'est bien, mais par contre, bon, bah, je te le garde parce que, bah, en fait, pour regarder le DVD, ce serait bien d'avoir un ordi. Ah oui. Donc, je te le garde, comme ça, il tombera pas entre de mauvaises mains, n'est-ce pas, Vivian? Oh, c'est bon. Ah, si tu veux, je vais prendre ce kiff, hein. Non, je déconne. Alors, du coup, alors les garçons, ce sera une épreuve pour vous. Vous allez devoir vous déguiser en fille. Attends, attends, Kenza. Donc, les garçons, vous allez devoir vous déguiser en fille. Et les filles vont devoir juger. Oh, ok. Non, mais t'inquiète pas, Evie. La prochaine fois, c'est vous, les filles, qui devrez vous déguiser en garçon. Oh, shit. Voilà. Donc, les filles, vous allez juger les garçons. Ah oui, moi j'avais acheté un lit. Ouais, voilà, tiens. Bon, voilà, allez, déguisez-vous. 3, 2, 1, go, c'est parti. Donc, voilà. Donc, tout d'abord, nous allons accueillir... Vous allez accueillir, chère fille, Vivian. Ouais, c'est moche. Bravo, mon chouchou. Oh, merci, t'es gentil. Bonjour, c'est Viviane. Maintenant, on accueille Charles. Coucou, I am the queen. Enfin, I am the queen plutôt. Hey, il est toujours aussi moche. Rentre-toi. Ouais, ben au moins je ressemble à une fille. Bravo, mon choupinou. Ah, merci. C'est vraiment très pitoyable. Hein. Bien, maintenant voici Jean-Luc. Bonjour. Bonjour, bonjour. Oh, ta gueule. Waouh. Non, pas waouh du tout. Ouais, non, c'est nul. Et non. Ensuite, maintenant, voici Sacha. Sacha qui est... Ah ouais, Sacha qui porte une robe, quoi. Une jupe. Je l'ai jamais cru. T'es toujours aussi beau. Ah. Bon, bien sûr, la jupe, ça te rend pas très beau, mais t'es toujours aussi beau quand même. Merci. Constant, ça, on dirait que ça, je l'ai fait. On est dans une boîte, si vous voulez. Toi aussi, t'es toujours aussi belle. Toi aussi, t'es toujours aussi belle, Constance. Merci. Premier bisou. Vous allez pas tuer sur place, hein. Eh, mais c'est pas ici, c'est pas hygiénique. Ouais, bravo, premier bisou. Ouais. Ouais. Dans ton cul. Bon, par contre, c'est pas très viril, hein, la jupe. Eh. Hey. Eh, attends, Sacha, t'as oublié ça? Ah ouais, attends. Ah, encore mieux. Encore mieux. Ah non, c'est pire. Salut. Ah, c'est trop bien. Bravo, Constance. Oui, c'était trop bien. On s'est visité les animaux. Oui, bah, Kenza, hein. Du coup, Kenza, t'es pas trop déçu que Vivian il ait fait ça, ce connard là? Mais Kenza, en fait, je comprends pas comment t'as su que
Qu'il avait trafiqué les photos, Vivian. Maintenant, voici Quentin. Coucou, bon, ouais, j'ai une robe pas très virile. Ouais, bon, ça va, Quentin, au moins, t'as fait l'effort. Pas comme Solène, qui dit que ses amis sont beaux, juste pour leur faire plaisir. Ben oui, ben, au moins, moi, je suis une vraie amie. Solène, je t'emmerde, darling, bitch. Darling, ben, bâche. Ben, moi, je t'emmerde, Kenza la pute. Ah, je suis trop contente. Moi je fais pas les trottoirs, moi je suis une princesse, tu vois. Une princesse de quoi? Une princesse de ton cul, ouais. Maman, voici Théo. Hello. J'ai fait du maquillage, c'est horrible. Oh putain, tu sais pas te maquiller toi. Mon dieu. Non, 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 non. Oh merci. Non mais Théo, mais c'est une blague, tu sais pas te maquiller. Non. Bah, au moins j'ai fait l'effort. C'est pas beau. Maquillage, moi je m'y connais, hein. Oh, sexy. Et en dernier voici Elio. Coucou. Oh putain, j'arrive pas à marcher avec ça. Coucou, putain, mais ça. Bon, même coucou. Putain, mais j'arrive pas à... J'arrive pas à... Bon, et en dernier, voici Jean. Coucou. Mais Jean, mais t'es sérieux? Tu t'es pas déguisé là? Alors si, je vais vous expliquer. Alors, je vais vous expliquer. Alors déjà, il y a des filles qui ont les cheveux longs et des cheveux courts. Donc les cheveux, j'ai pas besoin de les changer. Donc t'as pas de demander de changer tes cheveux. Mais bon, au moins... Oui, non, mais attendez. Il y a des filles. Alors déjà, là, je suis torse nu parce que... Ben voilà, parce que... Ben déjà, Sacha, il était torse nu. Oh, le copieur! Il a peur d'originalité! Pas du tout. Ouais, non, mais moi, j'adore. Tu vois, Solène, elle me comprend. Oui, non, mais Solène, c'est une pute. Elle soutient les cassos. Voilà. Bref, et donc, vu qu'il y a beaucoup de filles qui aiment les pantalons... Ah, tu fais qu'un événement traumatisant, mon pauvre. Vu qu'il y a beaucoup de filles qui aiment les pantalons, hein, donc voilà. Ouais, 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 ça c'est parce que t'as pas... Ouais, ça c'est parce que t'as pas d'originalité, t'as pas cherché à le faire. Ouais, mais ta gueule, toi, Evie. Ouais, ouais, c'est ça, allez, dégage. Pauvre con. Bien, alors maintenant, vous allez devoir décider. Alors, du coup, bah, tous les garçons vont se mettre devant vous et vous allez devoir bah, décider, tout simplement. Alors, c'est très pitoyable comment ils se sont déguisés en filles, mais bon, ils ont fait de leur mieux. Ah, oh, c'est dur de choisir. Ouais, ouais, c'est dur, c'est pas trop. Alors, donc, chacun votre tour, vous allez dire en commençant de... De Yana jusqu'à Nadia, vous allez dire qui vous choisissez. Alors moi je choisis Quentin par amitié mais également parce qu'il a fait beaucoup d'efforts. Voilà. Alors moi, ah c'est dur, je vais choisir Vivian parce qu'il est très gentil, il est très beau. Non, 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 pas Vivian. Non mais t'es sérieuse? Oui, non mais pas Vivian. Charles, parce que Charles vraiment, il ressemble vraiment à The Couille. Vraiment, il a vraiment fait l'effort, c'est trop beau. Oh merci ma petite. Julie. Alors moi, je dis Sacha. Ah oui, alors avancez-vous tous. Alors attendez, vous allez reculer et avancer tous ceux qui sont choisis. Alors, tous ceux qui sont choisis, vous allez avancer. Donc, Yana, t'as dit Quentin. Toi, t'as dit Charles. Donc, Julie. Moi, je vais dire Sacha parce que c'était vraiment trop bien. Merci. Evie. Je vais dire Sacha aussi, c'était vraiment trop lol. Marie. Sacha. De toute façon, il fait partie de notre team, Sacha, donc voilà. Bon, Elio aussi, mais Elio, c'était un peu moins bien. Constance, ben, je vais choisir Sacha maintenant qu'on est en couple. C'est validé.
Lucie. Moi, je vais dire. Alors, étant donné que Elio n'a eu aucun vote et que pour moi, il mérite d'avoir un vote, eh ben, Elio. The Queen. The Queen. The Queen, pardon. Enfin, Myriel. Oui, bon. Ben, moi, je vais prendre cette là parce que c'est vrai qu'il a fait beaucoup d'efforts. Kenza. Bah, moi, je vote pour Théo, hein. J'en étais sûre, c'est pour ça que j'ai pris Elio. Et enfin, Nadia. Bon, ben, dans tous les cas, c'est Sacha qui gagne et qui sera immunisée la semaine prochaine, mais voilà. Moi, je vote pour... ben, Sacha. Bien. Alors, Sacha, félicitations, tu es immunisée la semaine prochaine. Ouais. Bon, ben, par contre, j'enlève tout ça, que c'est pas du tout viril. C'est moche, c'est vraiment horrible, c'est dégueulasse. Et maintenant, les filles, vous allez voter pour la personne que vous aimez le moins. Voilà. Et la personne qui se rapprochera le plus de vous sera la personne. Alors, en commençant de Sacha, du coup. Ben, Vivian. Yana. Je suis vraiment désolée. Mais, j'ai vraiment. Jean, il a. Vivian, au moins, il a fait l'effort de se préparer. Alors que Jean, faut avouer, Jean, déjà, il fait partie de la team de Vivian. Jean, il fait partie de la team de Vivian, donc il est au même niveau que lui, c'est-à-dire au rien du tout. Et en plus de ça, ben, je veux dire, Jean, il a même pas pris l'effort de se préparer, donc Jean. Théo. C'est comme tu veux, je te donne le temps, je te l'ai dit. Donc, Julie. Ben, comme a dit Yana, j'aurais voté pour Vivian, mais au moins, Jean, eh ben, il est au même niveau que Vivian, et puis au moins, Vivian, il a fait l'effort de se préparer, alors Jean. C'est quoi. Kenza avoue que ben, Jean, il est de la même team que Vivian, et ben, il est au même niveau que lui, c'est-à-dire rien du tout, et puis, ben. Au moins, Vivian, au moins, il a fait l'effort de se préparer. Au moins, Vivian, il a fait l'effort de se préparer en fille. Eh, mais moi, vous êtes tous des salopes parce que moi, j'ai fait l'effort de me préparer. Moi, et eh ben, j'ai. Moi, voilà. J'ai fait des efforts. Hein. J'ai. Ben voilà. J'ai. Vous êtes tous des filles de pute. Allez, je vote pour toi. Contre toi. Putain. Marie. Jean-Luc le trou-duc, parce que je sais pas. Ah merde, je voulais voter pour Vivian. Contre Vivian. Constance. Jean. Lucie. Jean. Myriel. Charles, parce qu'il s'est moqué de moi. Kenza. Mais vas-y, moi au moins j'ai fait l'effort de me préparer, pas comme Charles, pas comme Jean. Ben si moi j'ai fait l'effort, voilà, je. T'as tellement pas de personnalité que tu caches ton propre pote. Je vote contre toi, si t'es pas content, t'as qu'à venir me voir à la fin de l'épreuve. Ouais, ouais. Et moi je vote. Allez, contre ben, Vivian. Voilà. Bon, ben dans tous les cas, c'est Jean qui est nominé. Moi, à voter, j'aurais voté contre Jean parce que Jean, tu n'étais pas préparé. Mais je me suis préparé. Je me suis préparé. Mais c'est ça, ouais. Bon, bref, t'es nominé. Voilà. C'est tout. Mais vas-y, mais moi, ça me saoule. Putain, moi, je me suis préparé. Bah, vas-y, en plus, je suis pas nominé. Hein. Ouais, vas-y, j'ai plus à emporter ces vêtements. Alors, déjà, alors, moi, je t'ai à dire. Le comportement est inacceptable. Tu vas toujours Théo juste parce que lui et moi on est trois la faute de l'aventure. Mais en réalité, c'est quoi? C'est une attitude de merde. Donc tu sais quoi? Je te prends par les cheveux et j'en ai rien à foutre, espèce de pouf. Mais ferme ta bouche, Kenza. De toute façon, moi ici, je suis la reine. Mais non, mais ferme ta gueule. Moi, c'est ici, déjà, il n'y a qu'une seule queen, c'est moi. Merci. Donc toi, tu fermes ta gueule. Queen, elle a déjà plus d'élan que toi, mais.
Ouais, vas-y. Et puis, non, mais sérieusement, non, mais t'es sérieuse, Nadia. Genre, toi, tu prends notre argent et tout. Mais en même temps, mais qu'est-ce que vous en aurez fait? Vous faites rien de votre argent. Et en plus, je dois vous respecter. Non, mais c'est sérieux. En plus, c'est un peu que moi qui les a pris. Et en plus de ça, bah, vous avez été d'accord. Vous avez dit, vous les prenez si vous voulez. Alors, à un moment donné, faut assumer ses choix. Surtout qu'en plus, c'est pas toi qui a eu l'argent. C'est eux. Donc, c'est leur choix. C'est pas les tiens. Donc, toi, t'as rien à dire. Ouais, mais t'aurais pu acheter d'autres choses. T'aurais pu acheter des choses utiles au campement, enfin à la boxe, genre des lits, etc. T'as tout cassé avec les pains, vous avez tout cassé, c'est de votre faute, t'es vraiment stupide ou quoi? Va t'acheter de plus, merde. Mais ferme ta bouche, c'est pas, y a rien de cassé. Oui, mais en fait, tu me dis ça, mais en fait, je fais ce que je veux avec mon argent. Si je veux m'acheter, si je veux acheter des robes pour mes copines et leur payer des teintures de cheveux et des coupes de cheveux, je le fais, point. Putain. Il faut voter, on va commencer à juger. Hein. Donc, tu veux commencer à juger sur la beauté, Solal, j'ai envie de te calmer. Parce que c'est pas moi, c'est encore toi. Parce qu'on te voit bien faire des petites cochonneries, personne ne regarde. Oh, ferme ta bouche, fille de pute. Tu avoues que la nuit se passe des choses alors qu'on est tous dans une putain de. Mais il se passe rien du tout. Qu'est-ce que tu fais? Alors, qu'est-ce qu'on est dans la night? Pourquoi on est chuchotement à nuit alors? Déjà, j'ai pas chuchoté. J'ai dit, putain, fils de pute, voilà, t'es qu'une merde. J'ai dit ça. J'ai pas chuchoté. Je suis dans la merde, j'ai dit, t'es une merde. Mais si je suis une merde, j'ai dit, oh, ça me zongue. Sinon, si je suis une merde, tu es quoi, toi? Ben, moi, je suis la reine. Mais The Queen! Mais tu n'as pas compris que The Queen c'est moi? Oh, mais ferme ta gueule, toi, avec ta coiffure de merde, ton diadème de merde et ta robe de merde. Et toi, t'as cru que t'étais quoi? Ton cerveau de merde? Ton cerveau. The Queen qui c'est une merde, jamais sur la tête, on t'arrête à toi. Ton cerveau de merde. Oh, ferme ta gueule, Kenza, merci. Ton cerveau de merde, The Queen. Ton cerveau. The Queen, pardon. The Queen. Ton cerveau de. Ouais, ouais. Alors, toi, avec ton cerveau de merde, tes habits de merde. Oh, mais ferme ta gueule, toi, avec ton cerveau de merde, tes habits de merde, ton accoutrement de merde, ton intelligence de merde, ton caractère de merde. Va te faire enculer, sale merde! Bon, c'est bon, cet épisode est parti en faille, je le dis. Oui, bon, toi, tu fermes ta gueule parce que toi, depuis le début, tu soutiens Vivian, donc s'il te plaît, ferme ta gueule. Oh, on a dit en même temps. Eh, les filles, ça vous dit que j'essaye la robe, la jupe que j'ai achetée devant vous? Allez, je vais l'essayer. Ouais, moi aussi, je vais la porter lors du Prime. Ouais, en attendant, on va voter pour les nominations. Ah ouais, mais Kenza, elle peut pas voter, elle, malheureusement. Ouais, parce qu'en plus, c'est les nominations filles. Mais fermez-la. Mais non, n'importe quoi, c'est les nominations mixtes, hein, tout le temps. Oh merde, non. Non, mon petit truc. Non, 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 non. Oh là là, voilà, c'est bon, je le reprends. Merci. Ah ouais. Ouais, c'est vrai, tu ressembles... Ah ouais, c'est vrai que Louisa, elle a 23 ou 20... Ouais, elle a 25 ans, Louisa. Et toi, t'en as 50 à peu près. Franchement, franchement, j'aimerais bien être aussi bien gaulée que toi quand j'aurai 50 ans. Hein. Déjà quand on me voit comment je suis à 20 ans. Mais non, mais c'est très magnifique. Ah ben, c'est sympa, merci. Bon, par contre, mon chapeau, il me saoule, il s'en va tout le temps. Oui, mais vas-y, ton chapeau, c'est de la merde. Mais ferme ta gueule, toi, à la fin du jour. Je te laisse ta petite chat, tu fais ta grande avec lui, il y a plus de temps. Mais en fait, Solène, je crois à la fin du jour. Kenza, 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 je vais parler à Solène. Alors Solène, toi à la fin de la journée, tu vas certainement crever parce que pendant toute l'aventure t'as pas parlé et là tout à coup tu fais des clashs et tu parles. Tu vas certainement crever à la fin de la journée. Parler, ça fait de mal à personne. Ah, c'est toi qui dis ça. Ah non, mais elle me fait trop rire. Parler, ça fait de mal à personne. Alors pourquoi t'as jamais parlé jusqu'à maintenant? Ah, parce que y a que les imbéciles qui parlent. Bah alors t'es imbécile. Putain, mais qu'est-ce qu'il y a les connes. Oh là là, oh là là. Bon, vas-y, toi tu t'es fait trop manipuler par Louis, par Vivian. Ouais, ouais, c'est ça, Vivian c'est la base. Alors, je décide. Le trou du cul.
Alors, vu que Lucie, elle a pas accepté notre stratégie, je nomine Lucie. Alors moi, je vais nominer Jean-Luc. Voilà. Moi, je vais nominer Solène. Moi, je vais nominer...